Comme je vous ai habitué avec mes histoires bizarres, celle-là elle est encore plus bizarre que les deux dernières que vous avez beaucoup aimé, que vous m'avez demandé de faire une autre histoire les amis. Donc là, il y a une histoire qui est folle et comme d'habitude avec moi, c'est toujours des trucs bizarres. Restez jusqu'à la fin les amis, la surprise elle est à la fin. Avant de commencer, je vous demande un petit truc, c'est abonnez-vous, lâchez un petit like et venez en commentaire que je vous vois les amis, ça fait vraiment plaisir que là, notre famille est en train d'agrandir, on est une famille les amis. Bon les amis, je vais vous raconter l'histoire du jour où je me suis fait arrêter à l'aéroport. C'était une journée de malade. En gros, comme tous les ans, j'allais passer mes vacances au bled. Donc là, je vais passer mes vacances au bled, les amis. Tranquille. Et en vrai, nous, dans les vacances, on touchait à des petits trucs pas très légal. Et en gros, je passais mes vacances, playa, tout ça. Et si vous voulez, je vais poster des vacances, des photos de mes vacances sur Instagram. Donc n'hésitez pas aussi à aller les voir sur Instagram. Vous allez vraiment apprécier. C'est vraiment des belles photos de vacances, tout ça. Quand j'étais un peu plus jeune quand même, je pense que ça date d'il y a 4-5 ans. Et en gros cette histoire remonte à il y a 4-5 ans les amis. Donc là, je passe mes vacances, chill, tout ça, Maroc. Là avec des potos, on fait plein d'activités. Vraiment plein. Et là les amis, un jour, on rentre chez nous, c'est la fin des vacances les amis. On doit rentrer en France. J'arrive les amis à l'aéroport, tout est ok, tout ça. Je m'assois avec ma soeur posée. Et là d'un coup, j'entends dans le micro, Monsieur Sisma, veuillez venir à l'accueil. Ah mon gars, moi j'aime pas ça. Mais j'aime vraiment pas ça les amis. T'es là, genre un aéroport, tu dis Monsieur Sisma viens à l'accueil. Mais qu'est-ce que j'ai fait moi à l'accueil? J'ai déjà pris l'aéroport 1000 fois, on m'a jamais appelé comme ça. Mais mon cœur les amis, sur ma vie que j'ai failli faire pipi sur moi. Mais sur ma vie que c'est vrai ça. Et là ça fait peur. Et là j'arrive, j'attends. Il y a deux policiers qui arrivent. Oh là 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 là, je dis qu'est-ce qu'il y a? Premier truc qui m'est arrivé à la tête, c'est quoi les amis? C'est que quelqu'un m'a mis de la drogue dans le sac. Parce que tu vois, moi des fois je peux avoir des jaloux, des... Tu vois, de mon entourage, des gars pas bien, on importe. Et là, j'ai premier truc, je dis putain c'est bon. Ma soeur elle me regardait, elle savait pas quoi dire. Et là on me disait quoi? Moi je me disais quoi? C'est bon, c'est la drogue, je suis dans la merde, je vais taper de la prison au Maroc. C'est bon, ma vie est fichue. Vraiment, j'arrive, je vois il y a ma valise, elle est fermée. Avec un chien qui renifle, il y a les chiens renifleurs là. Et là il était en train de lécher le truc. Et il est en train de renifler avec son nez. Et je dis, c'est ce chien qui va m'envoyer en prison. C'est bon, c'est la fin. Il n'y a plus d'avenir. Sisma qui était rêveur, le petit gars mignon, tout ça, il rêvait de faire plein de trucs. Là, c'est mort. Sa vie est fichue, elle est finie. Donc là, le policier, il me regarde. Tu vois, il me dit, le chien a repéré quelque chose. Est-ce que t'as quelque chose dans le sac? Qu'est-ce que t'as dans le sac? Avant qu'il l'ouvre, ils ne les ont pas encore ouverts. Je dis, bah, j'ai que mes affaires, tout ça, tout ça. Ils me disent, ouais, mais c'est pas normal, le chien s'est arrêté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de pas normal. Et là, le chien, il est en train de... Je suis en train de regarder le chien. J'avais envie de le bouffer, j'ai envie de le tuer, putain. Et il m'a... Je dis, wesh, qu'est-ce qu'il a... Qu'est-ce qu'il a mis quelque chose? Je dis, putain, je suis dans la merde, j'étais là, j'étais en train de trembler. J'ai devenu tout rouge. Moi, je fais un prank, je vais faire un prank, je fais que rigoler, donc je suis... Moi je suis pas quelqu'un de discret, je suis quelqu'un de très cramé. Donc là, imaginez si ça vous arrive là, dis-moi. Dites-moi si ça vous arrive en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner les amis. C'est très important, abonnez-vous les amis. Ils sont en train de regarder, de parler dans leur téléphone. Après il me dit ok maintenant on va procéder à la fouille. Moi ils m'ont fouillé, ils ont vérifié mon passeport, mes antécédents, tout ça. Il n'y a rien, tu vois, le papier est blanc et clean. Et tellement, il est plus blanc que les souris de laboratoire, les amis. Tellement blanc mon dossier, j'ai jamais rien fait de mal. Je me suis fait contrôler par la police une fois dans ma vie, moi. Tellement je suis un mec gentil. Et en gros, les potos, là, le moment le plus attendu, le moment que vous attendez tous, savoir qu'est-ce qu'il y avait dans mon sac et pourquoi le chien s'est arrêté. Pourquoi le chien s'est arrêté sur ma valise. Là, ils me disent, ouvre le sac. J'ouvre le sac, je vois une bouteille. Une bouteille, mais pas comme les autres bouteilles. Une bouteille en mode. En mode dealer, tu vois, en bouteille en mode plastifié, scotché, fois 1 milliard. Tu vois, genre, il y avait beaucoup de scotch et beaucoup de plastique dessus. Genre, on dirait qu'on volait un truc qui se voit pas dans le scanner. Et là, on ouvre. Vous savez, on trouve quoi? De l'huile d'olive que mon daron a mis. Elle a mis de l'huile d'olive dans ma, dans ma valise, les amis, pour que je le ramène avec moi, ma daronne en France. Et mon cœur, il a failli s'arrêter. Je pense qu'ils me l'ont enlevé ou un truc comme ça. Ou je pense qu'ils me l'ont gardé, j'ai oublié.
Mais il y avait tout un truc, j'ai failli mourir de peur, les amis, pour de l'huile d'olive, tu te rends compte? Et en plus, mon père, en fait, au début, il m'a demandé ce que tu veux. J'ai dit non, je veux pas, mais mets rien dans ma valise, tu vois. Et je pense, il est venu en cachette, il m'a mis de l'huile d'olive. Et sur ce, les amis, l'histoire finie. Et je vous dis ciao, ciao, ciao.